16e album de la série, Astérix chez les Helvètes sort ses jours. Ce sont donc plus d'1 200 000 lecteurs, chiffre du tirage de chaque livre, qui vont découvrir par cette nouvelle bande dessinée les mœurs et coutumes de notre peuple. Mais Goscinny l'écrivain et Uderzo le dessinateur ont-ils vraiment cherché à faire un portrait fidèle du Suisse? C'est ce que nous sommes allés leur demander à Paris, où ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans. Or, il ne semble pas que leur prétention aille au-delà du cliché et des lieux communs. Tout ce qu'on fait avec Astérix en ce qui concerne les pays hors de Gaulle, ce sont des clichés. Qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, ça, il m'est difficile de vous dire s'ils sont vraiment exacts. Si vous voulez, nous voyons ces clichés tels que les Français voient les Suisses, voient les Helvètes, si vous voulez, tels que les Français voient les Anglais, tels que les Français voient les... J'allais dire les Italiens, non, parce que les Romains, malgré tout, ont laissé pas mal de choses. Les Espagnols, on a joué aussi avec les Ibères. Et ce sont des clichés pour pouvoir, justement, être compris par tout le monde. Il faut que... Vous savez, maintenant, nous sommes vendus dans pas mal de pays, bientôt les Japonais, d'ailleurs, aussi. Si on leur fournissait une documentation très précise sur chaque pays, ils ne reconnaîtraient pas le pays. Il faut pouvoir leur fournir un pays tel qu'ils se l'imaginent, tel qu'ils se l'ont toujours imaginé, par justement des clichés tout faits, tout prêts, quelquefois faux, d'ailleurs. C'est une ironie, c'est une ironie gentille. Je n'aime pas le terme ironique parce qu'il y a un côté caustique et acéré. Non, c'est toujours très gentil, c'est toujours... vous savez, on ne se mouille pas parce que nous avons beaucoup de clientèle en Suisse, d'abord. Non, en principe, c'est toujours, évidemment, c'est de l'humour. Donc on est obligé, si vous voulez, de dégratigner un peu... ce qu'on fait d'ailleurs avec les Gaulois, parce que les Gaulois, on ne s'en prive pas, on les égratigne aussi. Vous savez, le fameux chauvinisme français, on en a joué avec les Gaulois. Ce sablier est trop exact. Fabrication helvétique. Mais il faut que vous y veillez. Chaque fois que je crierai « Coucou !», c'est qu'il sera l'heure pour tous les clients de l'auberge de retourner leur sablier. Les clichés pour moi étaient évidents. J'en ai fait une liste surtout pour, disons, les rythmer dans l'histoire, pour que je puisse les distribuer et que tous les clichés ne se trouvent pas en même temps. Mais enfin, la liste est rapide à faire. Pourriez me la faire rapidement ? Oui, bien sûr. D'abord, la propreté. Vous savez que nous sommes très impressionnés, nous, Français, par la propreté suisse. L'horlogerie, bien sûr. La fondue. Le service militaire très étrange que vous avez en Suisse, avec des périodes qui se répètent très souvent. Le fait que vous gardez vos armes, c'est une chose qui stupéfie beaucoup les Français. Les amicales, où l'on chante, où l'on boit... il y a une allusion à Guillaume Tell, voilée mais qui existe. Les banques, bien sûr. De quel document vous êtes-vous servi pour faire les dessins d'Astérix chez les Helvètes? Aucun. Aucun. On ne peut pas avoir de document parce que... D'abord parce qu'il n'y en a pas. Pas à ma connaissance, tout au moins. Sur le plan graphique, j'entends bien, il n'existe pas de gravure sur comment a été fait, par exemple, la ville de Genava, ni sur le fameux pont que César a construit, qui pourtant était un pont romain, il devrait y avoir quelque chose là-dessus. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé. Alors, le Palais des Nations, qui ressemble au Palais fédéral à Berne, c'est tout à fait un hasard? Ah bah, vous m'avez étonné quand vous m'avez dit ça, parce qu'effectivement, je n'ai absolument pas pris de documents dans ce domaine. J'ai fait, vous savez, le gros gâteau romain tel qu'il se faisait à l'époque, c'est-à-dire le gros palais avec la coupole. Et puis, c'est purement fortuit. S'il y a un rapprochement avec le Palais de Berne,
La dernière fois que je suis allé en Suisse en voiture, sous une pluie battante, j'ai dû descendre de ma voiture, ouvrir mon coffre, ma valise, etc. Alors que je me demandais vraiment ce qu'on pouvait apporter en Suisse de répréhensible. Mais ça, les douaniers, je m'en occupe souvent dans mes histoires, et les douaniers s'occupent souvent de moi par la même occasion. Maintenant, il s'agit du contrôle des frontières pour entrer en Helvétie. Descendez de voiture. Vous n'avez rien à déclarer ? J'ai faim ! J'ai faim ! Bon, passez-les à la fouille. Ensuite, vous fouillerez le char et après, vous fouillerez les chevaux. En général, le Suisse est assez confortable d'aspect. Par exemple, une fois, je me promenais à Genève et j'ai vu passer deux jeunes gens en uniforme, donc j'imagine des soldats faisant leur service militaire. Et ils avaient un aspect qu'on retrouve assez rarement chez les soldats. Ils étaient confortables. Je vous ai apporté de quoi vous déguiser. Comme ça, vous passerez inaperçu dans la foule. C'est un déguisement, ça? Avec ces armes, vous aurez l'air d'Helvètes allant faire leur exercice militaire. Tous les ans, nous devons nous exercer une nonne et une calande avec les armes qui nous sont confiées. Marchez, l'air dégagé et bien nourri, vous passerez inaperçu. Le fait que le soldat suisse garde son fusil à la maison me paraît aussi très étonnant. Ah oui, alors là, oui. Ça paraît étonnant d'ailleurs à tous les Français, parce que voyez-vous, si tous les Français avaient le droit de garder une arme de guerre chez eux, il pourrait se passer deux choses, soit un massacre général, ce qui ne serait pas impossible, soit un trafic d'armes absolument insensé, et je crois qu'on ferait la queue pour déclarer une perte d'armes. Je crois que ça, de penser que des gens ont chez eux des armes, et des armes sérieuses, et que, mon Dieu, ils trouvent ça normal, ils gardent ça dans leur placard, ça, pour nous, c'est absolument incroyable. C'est pas un pays militariste, du moins pour ce que j'en sais, mais il est évident que la Suisse, pour les étrangers, a cette dualité étrange d'un pays neutre, d'un pays qui n'a pas fait les guerres depuis pas mal de temps, ce qui est très bien, mais en même temps un pays qui a fourni des soldats d'élite à plusieurs armées du monde. Dans l'histoire de France, les Suisses ont joué un rôle important. Et par conséquent, il y a, en France, on sait que les Suisses sont des bons soldats.
l'argent pèse aux Suisses, oui, bien sûr, on dit ils ont plein d'argent, c'est un pays très riche, etc. C'est un poids, je crois, qui n'est pas désagréable. Je crois qu'il y a plus d'envie que de censure dans ce fait. Je crois que malgré tout, la plupart des pays voudraient avoir un minimum de problèmes économiques et financiers. Et puis, la Suisse en étant, enfin, semble-t-il, arrivée là, eh bien, mon Dieu, bravo pour les Suisses. Est-ce que ce succès d'Astérix, qui date d'il y a une dizaine d'années, est-ce qu'il n'a pas correspondu un peu au retour de Gaulle également? Est-ce qu'on peut associer de Gaulle et Astérix? Non, on ne peut pas associer de Gaulle à Astérix, du fait que nous ne sommes pas partis à Colomber les deux églises, déjà, et ensuite parce que, honnêtement et franchement, nous n'y avons absolument pas pensé. Quand nous avons créé Astérix, le fait que de Gaulle soit arrivé, nous n'en avons absolument pas fait de rapprochement. Et il n'y a rien là-dedans qui rappelle spécialement et de Gaulle et le gaullisme, si ce n'est qu'à un moment donné, notre personnage de chef, Abra Rakursik, s'adresse à son village en disant « Gauloise, Gaulois ». Enfin, c'est de la caricature. Vous savez, c'est assez amusant. En France, par exemple, beaucoup de gens ont cru que nous faisions de la politique gaulliste. Parce que la Gaule, évidemment, ça portait tout de suite à ça. Puis ensuite, le prestige de la France tel que le général de Gaulle le voulait, et ainsi de suite. Et ça n'empêche que quand il y a eu les grandes élections, les très grandes élections, eh bien, chaque parti voulait avoir Astérix dans son camp. Et on nous a fait des propositions, honnêtes ou malhonnêtes, d'avoir Astérix pour la propagande de leur chaque représentant et de chaque parti. On sait d'ailleurs, on a toujours refusé de jouer ce jeu-là, parce que c'est un jeu ridicule et dangereux. Mais il faut croire justement que chaque parti trouvait dans Astérix... Astérix, c'est l'auberge espagnole, on y trouve ce qu'on veut, finalement. On a toujours voulu trouver quelque chose dans Astérix qui avait des motivations très profondes, aussi bien sociologiques que politiques. Alors que, vous savez, nous ne sommes ni des moralistes, ni des sociologues, ni des politiciens. On se méfie de la politique, on ne veut absolument pas en faire. Et on cherche surtout à nous amuser en amusant les autres. Vous savez, ça ne va pas plus loin que ça. Oui, alors c'est finalement beaucoup plus naïf et gentil que ne supposent certains. Nous sommes des grands naïfs, vous savez. Nous sommes des grands enfants. Nous sommes restés des enfants à culotte longue. Mais ça va. Bien joué.